Champollion, c'est une occasion extraordinaire, notamment pour ces enseignants-chercheurs, de venir à la rencontre du public. Surtout, je dirais, de sortir de ces murs, puisque les enseignants-chercheurs habituellement sont dans leur établissement respectif. Donc c'est l'occasion de se déplacer en ville, de rencontrer du public, de rencontrer surtout un jeune public. Donc nous avons la chance, à travers des conférences, à travers des présentations en temps limité et également à travers des expériences, nous avons cette possibilité de montrer nos activités de recherche et les conséquences qu'elles peuvent avoir, bien entendu, dans la vie et dans le monde socio-économique. La Nuit européenne des chercheurs 2018, pour IMT Minalbi, c'est une évidence. Notre mission, c'est la diffusion de l'information scientifique et technique. Et il était important et utile que nous soyons là ce soir pour pouvoir partager nos envies, nos sujets, nos préoccupations, notre enthousiasme avec les jeunes, les moins jeunes, les familles, les parents, les grands-parents, les enfants. Calbi, ville universitaire si l'année, qui organise, reçoit, et essaie de développer, de battre ses propres records chaque année. Certains aiment à opposer l'excellence et la proximité. Au contraire, nous pensons que nous pouvons les concilier. Et c'est ce que vous montrez, et c'est ce que vous allez donner à voir tout au cours de cette nuit, puisque cette nuit des chercheurs, justement, eh bien, elle montre l'excellence de ce qui se passe dans les laboratoires. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, et j'espère que vous allez pouvoir partager plein de choses avec l'ensemble des collègues qui se sont mobilisés. C'est aussi un plaisir de les voir se mobiliser assez facilement pour ce genre d'événement. Je les remercie toutes et tous.